Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Mathias, 280, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la multiplayer update de mon jeu Slender dans l'espace. Bon, je vous présente quand même la multiplayer update, mais faut quand même savoir que je vous présente la mise à jour, mais à moitié, parce que bah j'ai personne avec qui tester le multijoueur. Pas parce que j'ai pas d'amis, mais juste parce que bah, ils ont pas envie de télécharger le jeu. Même si ça fait un demi giga mon jeu, tu vois, c'est pas énorme, mais bon. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on va commencer tout de suite. Juste avant qu'on commence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mon jeu, c'est un jeu d'horreur, enfin plus ou moins un jeu d'horreur, dans lequel tu dois retrouver une clé et le code d'accès pour les vaisseaux de secours pour que tu puisses t'enfuir d'un vaisseau dans lequel on fait des expériences pour avancer la médecine. Et ces expériences, c'est sur Slender Man. C'est parti, on va jouer, on va faire ça. Et donc, bah, j'ai laissé la map de la bêta pour ceux qui veulent y jouer. Mais bon, ça c'est. Ouais, bref, vaut mieux faire la map histoire. D'ailleurs, elle m'y conseillait. Parce que bah, la map histoire, c'est beaucoup plus logique ce qui se passe. Du coup, on va aller dans la map histoire. Petit chargement avec le logo Mad Games qui tourne. Et c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, bah, les textures, c'est quand même pas dégueulasse. Le miroir, c'est. On entend un mec mourir au fond, mais on s'en fout un peu. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir un peu les graphismes, c'est pas dégueulasse. Ouais, on a la petite télé, comme ceci. On peut largement voir la chaîne de Mathias de 288, qui est moi, et de Mad Games. Voilà. Ouais, aussi un petit peu même avec le logo Mad Games, bien sûr. Donc voilà, ici on a des données de santé. Donc ici on peut voir que c'est à 86%. Tous les données de santé positives vont être à 86%. Ceux qui seront négatifs seront à 0%. Enfin, bref, c'est des images, c'est pas une petite table de nuit et tout. Enfin bref, ça c'est comme. C'est plus ou moins la même chose que la version bêta, c'est juste que on rajoute la télé, les données de santé et le petit poster. Hein. Donc c'est parti. On va ouvrir la porte. Voilà. À partir du moment où on ouvre la porte, Slender peut venir vers notre partie. Donc en fait il spawn là-bas, là où il y a la flèche rouge. D'ailleurs on voit passer, on entend le cœur battre. Enfin bref, c'est là où il y a des expériences sur lui. Donc on va faire vite, on va appuyer sur E pour les ordinateurs. Code. Code, voilà. Donc code vaisseau de secours 55744. On va vite quitter avec le bouton quitter. Bien il y a escape, c'est vrai que je suis plus dans le mode éditeur. J'ai l'impression qu'il est bloqué. Donc faut trouver une clé. Voici il est là où il est, je sais pas si c'est. Voilà, ici. Vous trouvez la clé. Allez au poste de pilotage. Donc comme vous pouvez voir, les graphismes sont pas dégueulasses du tout. Le jeu est, comme vous pouvez voir, assez fluide. Ici on peut pas accéder, alors on va aller dans la cuisine. Il y a une clé là. Non. Frigo, non. La clé peut-être ici, non? J'ai bien peur que Slender soit bloqué pour ça que je fasse cette mise à jour. Il est là. Je vais vite regarder s'il n'y a pas. Attends, je vais l'aider à sauter parce qu'il fait quitter. Bon, il marche un peu lentement. Mais bon, parce qu'en fait, sur l'ancienne version, donc la bêta, les. Oui, ça arrive, c'est quelques bugs, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Bon. D'autres bugs comme celui-ci arrivent aussi. Voilà. Là, normalement, voilà. On recommence tout depuis le début. Donc, bien sûr, je suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de fort en codage ou en création de jeu. Je vous rappelle que j'ai commencé en août. Ah,
on a directement la clé. Donc tantôt qu'on a lancé, on a vu une explosion. Je vais regarder qu'il y a toujours le même coup. On a une explosion. Alors c'est qu'on a que la... Normalement on est censé spawner avec la fumée, mais ça... Ceci n'est pas un exercice. Et maintenant faut aller au vaisseau de secours. Si on regarde... Ceci n'est pas un exercice. Je vais aller dire, ah non c'est monsieur le radiateur, il y a une tête de mort. Et évacuer le vaisseau le plus vite si possible. Si on regarde, je vais vous montrer ici. Nous avons heurté un objet non identifié. Nous avons heurté un objet non identifié. Je peux toujours avoir le code si j'ai pas eu. Ceci n'est pas un exercice. Wow, on se casse. Attends, il est à moitié. Évacuer le vaisseau le plus vite possible. Veuillez évacuer le vaisseau le plus vite possible. Nous avons heurté un objet non identifié. Bon, va falloir que je sorte une autre mise à jour. Nous avons heurté un objet non identifié. On a les vaisseaux. Ceci n'est pas un exercice. De la porte. Appuyez sur E. Ceci n'est pas un exercice. 4. Bon. Il est clair que j'aurais dû plutôt tester mon jeu avant de le mettre en ligne comme ça. C'est vrai que, bah, en fait, plutôt dans mes tests, il n'y avait pas vraiment ces bugs. Mais j'aurais dû tester la version non éditeur. Enfin bref, le jeu normalement qu'on verrait cette vidéo, il y aura plus tous ces bugs. Aussi un grand merci à Sofiane pour un bus sur Instagram qui a fait ses modèles 3D, enfin ses plans de modèles 3D, modélisation 3D par mois. Donc il a fait le lit d'hôpital. Si c'est rouge, si vous demandez pourquoi ici c'est rouge sur les contours, c'est parce que c'est un peu comme un fond vert, tu vois, sauf que moi j'utilise le rouge. Voilà. Bref. Et si vous me demandez pourquoi il n'y a pas ici, bah parce que ici, bon. Bah bref, ici c'est autre chose, voilà. Donc on a le lit d'hôpital qui a été fait par Sofiane Poirabi sur Instagram, vous pouvez aller suivre. Le nouvel écran d'ordinateur aussi. Et le nouveau évier et un autre truc de cuisine. Alors, voilà, c'est un peu tout. Ici on peut cliquer sur les logos YouTube et tout pour aller jusque au site internet. Et voilà encore ce film d'oeuvre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le lien de téléchargement du jeu est en description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.